et bienvenue dans ce nouveau studio vlog. J'espère que vous allez bien et que vous avez le moral malgré la période. Alors, je vous refais un petit point. Je viens de le faire là à l'instant en finissant le précédent vlog et j'enchaîne direct avec le début de celui-ci. Donc, le planning pour cette semaine, ça va être de me concentrer sur les produits que je dois faire imprimer par un prestataire de service, à savoir les stickers que je vais faire chez StickerUp et les badges. Et donc concrètement, ce qu'il me reste à faire, c'est le sticker de Sailor Moon, la princesse Sérénité. Et ça, donc après, comme ça, j'aurai le sticker fée et le sticker Sailor Moon. Fée, il aura un effet paillette sur ses ailes. Et le sticker de Sailor Moon, je prévois de faire une lune derrière le personnage, qui sera avec un effet holographique. C'est comme ça que je le prévois. Donc ça, ça va être la priorité. Mais comme c'est du travail au digital, bah en fait, pendant la journée, je fais tout ce qui est traditionnel parce que c'est important pour moi de travailler à la lumière naturelle. Et la période qui fait qu'on est en hiver et que donc il fait nuit très tôt, ça m'arrange un petit peu pour le travail au digital parce que du coup, alors je sais pas, c'est pour ça que j'aime bien en ce moment travailler au digital, simplement parce que ça, du coup la luminosité n'est pas un problème. Et même c'est plutôt relaxant de faire ça tranquillement devant la télé le soir. Donc, je vais faire les deux. Pendant la journée, je ferai tout ce qui est traditionnel et le soir, j'avancerai les designs pour tout ce qui est badge et stickers. Donc les stickers, il me reste celui de Sérénité et pour les badges, il me reste les trois de Sailor Moon. Et je pense que quand je les aurai faits, je les imprimerai pour vous les montrer ici et sur Instagram, exactement comme je l'ai fait la semaine dernière pour les tigres et pour la fée. Voilà, donc ça c'est ma priorité, puisque après il faut le temps de les recevoir. Alors les badges, ce sera vite fait. Par contre, les stickers, il faut quand même bien 15 jours pour que ça arrive. Donc voilà, c'est le truc que je dois faire là. Ensuite, le reste, ça va être que des choses que je vais faire moi-même. Donc, je vais probablement faire quand même un autre côté, un autre design pour les tigres, le tote bag des tigres. Ensuite, je vais faire Sailor Moon et là, c'est recto verso. Donc, il y aura un côté que je vais faire au traditionnel et l'autre côté que je vais faire au digital parce que ça va être plein de petits designs. Et ensuite, alors, j'avais dit que j'allais enchaîner avec la forêt enchantée, mais j'aimerais bien aussi faire une nouvelle version d'un tote bag de Zelda. J'aimerais bien faire une version avec les dragons. Donc je ferai l'un ou l'autre, je verrai. Par ailleurs, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais j'avais prévu de faire un autre pack de stickers pour Sailor Moon avec les autres Sailors, Sailor Vénus, Mercure, Mars et Jupiter. Parce que du coup, j'ai aucune représentation de ces Sailors-là, vu que j'ai retiré les prints que j'avais fait, et de toute façon, il n'y avait que Sailor Mercure et Sailor Vénus. Donc j'aimerais bien qu'il y ait un petit pack de stickers de ces filles-là en chibi, exactement comme j'ai celui d'Uzaki. Et je pense le faire au digital, parce que les premiers de ceux d'Uzaki, je les ai fait au feutre à alcool, en fait, pour avoir un côté justement très plat, parce que comme c'est des chibis, je ne voulais pas quelque chose de trop complexe. Et je me rends compte que du coup, comme c'est pas du travail à l'aquarelle, je peux tout aussi bien le faire au digital, ce sera pas plus mal. Et comme ça, je laisse les plus gros travaux, ceux où il y a vraiment une belle visibilité de l'aquarelle, du travail au traditionnel, ça je me le garde pour la journée. Voilà, c'est le planning de cette semaine. Et allez, c'est parti! J'ai fini les trois designs de badge Sailor Moon.
Donc le plus grand, je pense que ce sera le 32 mm, ce sera celui-ci, simplement parce que comme c'est celui qui a le plus de détails, ça me paraît plus approprié de le mettre en plus grand, et puis bon, c'est quand même le personnage principal. Ensuite là, on a la broche de Sailor Moon, qui sera parfait en badge puisque ce sera pile poil rond, et une petite Luna, dans mon style. Elle est pas vraiment très ressemblante par rapport à l'animé, mais moi je sais pas, hein, faire des chats avec des têtes manga, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, puis bon, l'intérêt c'est de le dessiner dans mon style. Je pense que ça sera assez sympa. La seule chose, c'est que comme j'utilise Corel Painter Essentials pour faire mes dessins et que c'est une version très simplifiée du Corel Painter normal, et ben en fait il n'y a que du RVB au niveau des couleurs, et des fois quand je les imprime, donc les couleurs passent en CMJN et j'ai des drôles de surprises. Par exemple là, le fond à l'origine c'est pas cette couleur-là, là on dirait du beige alors que normalement c'est du jaune pastel. Et là, c'est quasiment du violet, alors que normalement, c'est du rose un peu vif. Bref, il y a des petits changements comme ça. Je verrai bien ce que ça donne en badge, mais a priori, ça devrait normalement ressembler à ça, puisque là, c'est une version imprimée. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je les imprime, c'est pour être sûr que le résultat final soit assez proche de ce que je veux, même s'il y a quelques couleurs qui se modifient, tant que ça gêne pas. Bon, ça va, ça passe. Donc voilà, je sais déjà que normalement les badges devraient ressembler à ça, à peu près, une fois imprimés par le prestataire Créa Badge. Alors peut-être l'aurez-vous remarqué, depuis quelque temps, ça doit faire 15 jours à peu près, j'imprime sur les bords perdus, entre guillemets, des feuilles de la silhouette, parce que, en fait, la silhouette, je pense que vous l'avez compris, il y a les repères là, et au-delà, on ne peut pas mettre de trucs à découper, ou alors si on en met, il faut faire hyper attention, parce que si on met trop près des repères, genre là, c'est limite limite, mais comme il n'y a pas de découpe sur ces parties-là, ça va, c'est pas grave. Mais si on met les designs trop près des repères, et ben en fait, elles confondent les deux, et du coup, elles découpent complètement de travers. Ça m'est arrivé. Donc du coup, vous êtes vraiment limité, et vous voyez qu'au final, si on enlève toute cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, et ben il y a quoi? La moitié de la feuille qui réellement est utilisable, et ça fait quand même une perte phénoménale quand on sait combien coûte le papier, et notamment le papier vinyle, celui-ci qui est le plus cher. Je pense que je vous ai suffisamment rabattu les oreilles sur le prix de ce papier. Et du coup, maintenant, j'ai décidé de mettre ces trucs-là. Donc, que ça, je découpe manuellement. Hein, je ne le fais pas découper par la silhouette parce que, donc, vous l'aurez compris, c'est hors de sa portée. C'est en dehors de ce qu'elle peut découper. Mais c'est pas grave, je les découpe à la main. Ça me permet d'économiser ce papier-là, ou plutôt de ne pas le gâcher. Et si vous vous demandez pourquoi je ne l'ai pas fait avant, je ne sais pas. Je me pose la question. Coucou mes petits chats, on se retrouve pour ce petit interlude de milieu de semaine. La fin du vlog, c'est que dans 3 jours, mais bon, c'est toujours un petit peu comme ça avec les vlogs qui s'étalent que sur une semaine. Mais on va faire un petit point là, et je pense que c'est plus sympa de le faire en face cam, ça brise un petit peu la monotonie des plans. Alors, vous l'avez vu, j'ai déjà passé pas mal de temps à refaire des stocks. Et bien là, je vais devoir recommencer puisqu'on a le gros des commandes là qui sont passées. Vous savez, hein, c'est toujours pendant les 10 premiers jours du mois qu'il y a la plus grosse quantité de commandes. Après, ça commence à doucement descendre, et puis genre la dernière semaine du mois, il y a 3 fois moins de commandes qu'au début. Vous voyez, ça vraiment, c'est une flèche comme ça, décroissante. Bon, après, période de Noël, confinement, est-ce que ça va changer ça? Je ne sais pas. Toujours est-il que donc, là, j'ai, je pense, vendu l'essentiel de ce que j'avais à vendre. Il y a eu pas mal de tote bags qui sont partis. Donc ça, il faut absolument que j'en refasse, puisque comme j'avais fait que très peu d'exemplaires de chaque, bah, j'ai plus de Ghibli. Là, il me reste que deux. Enfin bon, voilà, il faut que je refasse tout ça. Et vous le savez, les tote bags, ça prend 1000 ans à faire. Donc, je sais déjà que je vais en avoir pour une journée entière. Mais après, je pense que je serai tranquille pendant un petit moment.
De toute façon, le papier transfert, j'avais acheté, vous vous souvenez, j'avais racheté un bloc, pareil pour les tote bags, mais surtout papier transfert que j'utilise beaucoup. Bah maintenant qu'il est là, autant s'en servir. Donc voilà, je vais faire ça, je vais m'y consacrer une bonne journée, puis voilà. Il faut aussi que je refasse des stickers, donc je ferai tout dans la même fournée. Comme ça, je passe ma journée à faire ça, je pense que je le ferai demain, et puis après c'est bon, je suis tranquille. Bon, ça déjà, ça m'oblige à retarder un petit peu des trucs. Bon, cela étant dit, j'ai de toute façon changé mes plans parce que dans les tote bags que j'ai vendus, j'en ai quand même vendu pas mal avec les badges. Alors c'est marrant parce que j'ai vendu quasiment aucun lot de badges seul. Par contre, le fait que ce soit dans des bundles ou que ce soit proposé à prix réduit avec les tote bags, là ça part quand même un petit peu. Alors vous allez me dire, j'en avais fait que 10 exemplaires de chaque, donc forcément au bout de 2-3 qui sont vendus, ça commence déjà à être un petit peu limite limite niveau stock. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Du coup, plutôt que de faire en priorité les stickers, parce qu'à l'origine c'était ce que j'avais prévu, faire d'abord les stickers, donc celui de la fée et celui de la princesse Sérénité de Sailor Moon, parce que je l'ai fait chez Stickerapp et que ça met entre 10 et 15 jours minimum. Et en plus là, avec le Covid et tout, je ne sais pas si ça ne va pas être encore plus long. Donc ça met ce temps-là minimum à arriver. Donc c'est pour ça que je voulais le faire en premier, parce que c'est plus long à arriver. Mais là, je vais plutôt faire les badges parce que je ne vais pas prendre le risque de me retrouver à court. Même si là, on arrive dans la phase où il y a moins de ventes, voilà, je ne veux pas prendre le risque. Et en plus, comme j'ai refait tous les designs à l'ordinateur, il faut que je reprenne les photos, blablabla. Bla bla. Donc voilà, autant que j'anticipe tout ça. Donc ça va être ma priorité de refaire les badges. Donc vous l'avez vu, j'ai fini, normalement, j'avais fini tous les badges. Mais je me suis rendu compte de quelque chose en voulant passer la commande. Vous vous souvenez des changements que j'avais faits? Donc j'ai refait tous les designs qui existaient déjà à l'ordi. J'ai rajouté des nouveaux designs pour les tigres. Donc j'ai trois nouveaux badges pour les tigres et trois nouveaux badges pour Sailor Moon. Tout ça, vous avez vu, ok, c'est bon. Et mon plan, c'était de faire des packs avec un plus gros badge, un badge un petit peu plus gros, de 32 mm. Et après, deux petits de 25 mm, comme ceux que j'ai déjà fait précédemment. Donc ça, c'était l'idée, c'était pour varier un petit peu et aussi parce que je me suis rendu compte que plus je fais des grosses quantités, et là, ça va être forcément le cas puisque j'ai 10 designs différents, donc j'en ai deux fois plus que la dernière fois, et ben plus les quantités sont importantes, plus le prix est réduit et du coup, le fait de faire un batch plus gros, ça rentre dans le même budget qu'auparavant sans que je sois obligée d'augmenter les prix des lots de batch. Donc ça, c'est plutôt cool. Et j'étais partie là-dessus. Donc je m'étais dit, pour les gros, vu que tu as 5 designs différents et qu'il t'en faut 20 exemplaires, puisque j'avais prévu de faire 20 exemplaires de chaque, eh ben ça fait pile 100 badges, donc parfait, j'ai commandé le lot de 100. Mais il se trouve que il n'y a pas, donc j'aurais eu besoin de 200 badges pour les petits, sauf que ça n'existe pas en fait. C'est 50 ou 100 ou 250 ou 500, vous voyez, à chaque fois c'est vous passez du simple au double. Ils n'ont pas un lot de juste 200 badges. Alors vous me direz, tu peux commander juste deux fois un lot de 100 badges. Sauf que ça revient plus cher que si tu commandes 250. Donc autant prendre 250, on est d'accord? Et je m'étais dit, ok, bon, ça tombe pas pile, mais c'est pas grave, il y aura quelques badges en plus, deux, trois badges en plus pour chaque design. Tu t'en fiches, ça fera quelques badges supplémentaires, c'est pas très grave. Sauf que visiblement, je ne sais pas compter, puisqu'en fait, c'est pas quelques badges en plus, c'est 50 badges en plus, en trop, entre guillemets, que j'aurai. Et je ne vais pas faire 50 badges comme ça, juste d'exemplaires en plus, parce que je me dis, je ne vois même pas ce que je pourrais en faire en fait. Parce que si je les mets en cadeau, mais je ne vais pas mettre en cadeau un badge que les gens ont déjà dans leur lot qu'ils ont acheté. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu bizarre. Donc je me suis dit, non, ça ne va pas. 50, c'est quand même beaucoup. Donc soit je fais 25 exemplaires au lieu de 20, mais du coup je vais avoir à chaque fois 5 badges en trop pour chaque modèle, ce qui ne me sert strictement à rien. Soit je fais plutôt d'autres modèles et j'en ferai, je sais pas, je les mettrai en cadeau pour les très grosses commandes. Vous voyez, par exemple les gens qui achètent des bundles complets, hop, un petit badge en cadeau. Enfin, je sais pas, je trouverai bien, mais du coup il faut que je refasse 5 nouveaux designs et j'en ferai 10 exemplaires de chaque et ça complétera ces 50 badges en trop. Donc ça va être ma priorité parce que je veux absolument que les badges soient là, genre aujourd'hui, demain, il faut que ce soit parti pour que je les aie dans la semaine, au courant de la semaine prochaine. Voilà. Et seulement après, je m'occuperai du Seekers de la Princesse Sérénité parce que, en fait, je l'ai fait.
Je l'ai imprimé pour vous montrer. Alors, il est très joli, hein, j'en étais très contente au début, ok, super. Sauf que, entre-temps, j'ai repris mon petit carnet de croquis où je mets mes idées, vous savez, les croquis à l'arrache, là, que je vous montre régulièrement. Et j'ai retrouvé le croquis d'origine de ce truc-là. Et il est 1000 fois mieux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, c'est joli, ça, hein. Mais c'est surtout la colorisation, en fait, qui fait que c'est joli. Parce qu'en réalité, quand je compare à mon premier croquis, il est beaucoup plus dynamique, il y a plus de mouvement, la pose est plus naturelle, enfin... Voilà, ça peut paraître un détail, mais c'est un détail qui me chiffonne un petit peu. Et du coup, je me dis, bah... Tu vas recommencer. Alors, vous me direz, c'est pas plus mal, puisque j'ai prévu, du coup, de faire les badges en priorité, mais... Voilà, il faut que je recommence tout. Je pense que je vais vraiment partir du croquis que j'ai fait à l'origine. Alors, il est un petit peu trop brouillon pour que je travaille tel quel dessus, mais je vais essayer de le remettre un petit peu au propre et tout, et le rescanner et refaire la même chose que j'ai fait là. Mais donc avec un dessin qui me paraîtra mieux. De toute façon, je vous montrerai tout ça. Ça aussi, ça va faire partie des choses que je dois faire assez rapidement. Mais bon, voilà, du coup, comme maintenant c'est les badges plutôt ma priorité, c'est pas très grave. Et puis, j'ai le temps de recommencer ce stickers. Sinon, je suis allée à la poste pour envoyer mes petites commandes, n'est-ce pas? Et j'avais mes gros paquets, j'avais des paquets un peu plus gros. D'habitude, j'ai que des enveloppes, mais là, comme il y a les tote bags, et j'avais des paquets un petit peu plus gros. Et la dame à la poste me dit: oh, mais c'est très mignon tout ça, est-ce que je peux vous demander, c'est pas indiscret, ce que vous faites? Donc je dis: bah voilà, je suis dessinatrice, et puis je fais des produits dérivés à partir de mes dessins. Et il se trouve que j'avais mon tote bag de Totoro, et je lui montre, je lui dis: bah par exemple ce tote bag. Ah bon, mais c'est super mignon, mais est-ce que vous avez une carte de visite? Les gens qui passent régulièrement commande le savent, ça fait 1000 ans que j'ai plus de carte de visite. À chaque fois je me dis, il faut que j'en refasse, mais pff, voilà. Donc là quand même, je me suis sentie un petit peu con. Alors il se trouve que par chance, j'avais une vieille carte de visite, mais genre la toute première que j'avais fait imprimer chez Vistaprint, j'en avais une dans mon porte-monnaie. En fait, j'ai fait mine de regarder et effectivement, j'ai vu que j'en avais une. Je me suis dit, ouf, sauvée par le gong. Donc, je lui ai donné ça. Mais je me suis dit, ouais, là, vraiment, c'est quand même débile de ne pas avoir de carte de visite, même si c'est très rare que j'en distribue comme ça. Quand même, pour les commandes, voilà, ça peut quand même toujours être bien, surtout si les gens font des cadeaux, bah, que la personne qui reçoit le cadeau, si après ça l'intéresse d'elle-même venir acheter des produits ou quoi, c'est quand même bien qu'elle ait ma carte de visite. Donc, on rajoute ça à faire très rapidement. Il faut que je fasse un petit design, parce que je n'ai pas envie d'utiliser un truc que j'ai déjà. J'aimerais bien refaire un design exprès carte de visite pour vite passer commande de carte de visite. Ça aussi, c'est à rajouter. Voilà. Donc, je ne sais pas si on aura vraiment le temps de voir tout ça juste là en 3 jours, hein, surtout qu'il y a toute une journée qui va être consacrée uniquement à refaire du stock. Donc, bon, je ne sais pas, on verra bien. Toujours est-il que donc, voilà où on en est. Et maintenant, on continue tranquillement tout ça.
Alors, je vous explique donc ce qui s'est passé avec le sticker de la princesse Sérénité. Je vous remonte le croquis d'origine. Et donc, ça c'est le croquis d'origine et ça c'est ce que j'ai fait au final. Et donc, vous voyez, ça c'est beaucoup moins bon que ça au niveau de la posture. Là, c'est beaucoup plus naturel. La cambrure du corps donne beaucoup plus d'élan et tout. Donc là, elle est rigide, les bras ils sont tout droits. En plus, je pense qu'ils sont un petit peu courts. Je me rends compte par rapport à là où ça paraît plus... Enfin, je sais pas. Elle est mieux, celle-ci. Du coup, hop, ça y est, je vais recommencer. Comme ça, maintenant, j'ai plus qu'à l'imprimer. Et vous voyez, là, c'est déjà beaucoup mieux. Et les bras sont exactement... De toute façon, ils sont identiques. Hein. J'ai repris exactement ça, sauf que là, je l'ai imprimé en un petit peu plus grand. Mais les bras sont d'une longueur qui paraît un petit peu plus plausible. Les cheveux ont un mouvement qui est plus naturel. Ils retombent un petit peu comme ça. Ça suit la courbure du corps. Les bras sont pas complètement en équerre, c'est une position un petit peu plus naturelle, donc bref, je pense que c'est mieux. Et donc l'idée, ce serait que la lune derrière, c'est ce que je vais demander à Sticker App, elle soit avec un effet holographique. Et voilà, ça y est, c'est la fin de ce vlog. Alors, petit bilan, j'ai donc envoyé tous les badges à faire, je suis assez contente, je vous verrai les petits designs que j'ai rajoutés en plus, et que j'aime beaucoup. Quand je recevrai les badges, comme ça vous fera un petit peu la surprise. Et alors la très bonne nouvelle, c'est que les ventes de ce début de mois ont permis de rentrer assez d'argent pour que je commande aussi dans la foulée les stickers de Sticker App. Donc ça, je suis vraiment super contente. Merci à toutes les personnes qui ont passé commande. Clairement, c'est marrant parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup plus de commandes. Par contre, les montants sont plus élevés parce qu'on voit bien que les gens commencent à acheter les cadeaux. D'abord parce qu'ils me demandent des paquets cadeaux et aussi parce que c'est des trucs en plusieurs exemplaires, donc on se doute que c'est pour faire des cadeaux. Donc ça, c'est plutôt très très cool. Je suis vraiment très contente et non seulement j'ai pu faire les stickers, mais du coup j'ai aussi commandé les cartes de visite. Donc pareil, vu qu'elles sont commandées et que ça devrait arriver assez rapidement, je vous montrerai les designs au moment où je recevrai les cartes. Et du coup, j'ai commandé direct 250. Voilà, c'est 250 du même design parce que je les ai fait chez Vistaprint, mais il y a une raison à ça. En fait, chez Vistaprint, les cartes, elles sont un peu plus basiques et du coup, elles pèsent moins lourd parce que celles de mots, alors c'est vrai que c'est très fun parce qu'on peut mettre plein de designs différents et elles ont une très très belle finition, mais cela étant dit, elles pèsent aussi extrêmement lourd. Et des fois, juste à cause de la carte de visite, ça m'oblige à mettre un deuxième timbre. Du coup, je ne mets pas la carte de visite. Donc c'est un petit peu idiot. Je préfère faire passer par Vistaprint, même si c'est plus basique. Voilà, au moins, je sais qu'elles pèsent moins lourd et que ce sera un petit peu moins un problème. Donc voilà, ça, c'est fait. Et alors là, du coup, j'ai fait toutes les dépenses, les grosses dépenses de ce mois-ci. Donc je suis vraiment, vraiment soulagée et contente parce que c'est... Voilà, une bonne chose de faite. Badge, c'est fait. Stickers, c'est fait. Carte de visite, c'est fait. Alors, c'était pas prévu, c'est venu se rajouter, mais c'est fait. Et du coup, dans la foulée, de toute façon, j'ai regardé combien d'argent allait rentrer et je me suis dit, tu reclaques tout de suite. Comme ça, je ne serais pas tentée de m'en servir pour autre chose. Et dans la foulée, avec l'argent qui est resté, j'ai passé une commande chez Amazon. Alors, bon, pas très glamour la commande, puisque j'ai simplement recommandé du papier transfert. Comme ça, je sais que, vu que j'ai fini l'autre paquet quasiment, je crois qu'il reste genre 3 feuilles. Voilà, je sais que c'est bon, j'ai, parce que, bah, l'air de rien, il va quand même falloir que je fasse les tote bags Tigre, les tote bags Sailor Moon. Et ça, je sais déjà que je vais en vendre quelques-uns, puisque j'ai déjà plusieurs personnes qui m'ont dit « Tu nous préviens dès qu'ils sont prêts, parce que, voilà, on passe commande. » Et les tote bags de la Forêt Enchantée. Donc ça, de toute façon, ça va être le reste du travail qui me reste à faire, puisque j'ai fait tous les badges, j'ai fait tous les stickers, donc maintenant, il ne me reste plus que ça à faire. L'essentiel en tote bag. J'ai bien 2-3 petits trucs à faire en plus, mais rien d'aussi important que tout ce que j'ai fait là. Donc maintenant, ça va être tote bag, tote bag, tote bag. Du coup, donc, j'ai repris un paquet de papier transfert. Ensuite, j'ai pris les enveloppes. Vous savez, je vous avais dit, ouais, pour la fin de l'année, je reprendrai des enveloppes dorées pour marquer le coup de Noël. Bon, bah, ce sera dès novembre, hein, parce qu'en fait,
Je ne sais pas comment j'ai géré mon stock d'enveloppes, mais je viens de me rendre compte qu'il m'en reste 3. Je parle des petites enveloppes, hein, pas les grandes parce que ça j'en ai plein, mais les petites enveloppes j'en ai 3. Et en fait, j'avais l'impression qu'il y en avait beaucoup plus parce que comme c'est des enveloppes un petit peu épaisses et qu'en plus elles sont un peu gonflées du fait du papier un peu épais, et ben ça vous donne l'impression qu'il y a tout ça alors qu'en réalité, bah, il y en a 3. Donc là, je me suis vite dépêchée de repasser commande et vous aurez donc des enveloppes dorées à partir de maintenant pour les gens qui prennent des petits trucs. Donc ça c'est fait, enveloppe, papier transfert, donc ça c'est le gros de la commande, et j'ai aussi pris les Posca fluo, vous savez, pour faire les petites retouches à la main pour les tote bags tigre, et pourquoi pas pour d'autres tote bags, on verra bien. Donc j'ai repris aussi les Posca, donc j'ai pris des Posca fluo, et j'ai pris un autre truc pareil, mais de toute façon c'est que des achats pour la boutique, cela dit, sur Amazon, j'achète que du matériel pour la boutique. J'ai pris un autre truc, je ne sais plus, bon bref, c'était une petite broutille. Quoi qu'il en soit, donc là, je pense que au niveau des dépenses qui me resteraient à faire, à part des timbres et éventuellement des cartouches d'encre, ça va dépendre d'à quel point je vais utiliser rapidement celles que j'ai, sachant que je les ai changées au début du mois et j'ai déjà utilisé la moitié, parce que l'air de rien, bah, les designs des tote bags, c'est des gros designs, donc ça utilise beaucoup d'encre. Et puis j'ai refait beaucoup de planches de stickers, donc bon, ça finit par descendre un petit peu quand même au niveau du stock. Bref, éventuellement j'aurai ces deux choses-là à racheter, bon le timbre c'est certain, mais l'encre on verra, au pire ce sera pour le mois prochain. Mais enfin en tout cas là je suis vraiment contente d'avoir sorti le plus gros de l'argent, c'est cool. Ça c'est très cool, maintenant le programme de la semaine prochaine ça va donc être de travailler essentiellement sur les tote bags. Il faut que je fasse une autre face pour les tiles, mais ça j'ai déjà une idée assez précise de ce que je vais faire. En fait je pense que je vais faire comme... avec les badges, je vais faire plein de têtes de tigre avec différentes humeurs. Un tigre qui baille, un tigre en colère, un tigre avec une tête normale. Enfin, vous voyez, plein de petits trucs différents. Parce que du coup, comme ça, j'aurai un design assez plein. Vous voyez, les deux grands tigres, et puis voilà. Et un design avec plein de petits éléments. Je trouve que ça fait écho à celui de Zelda et à celui des Sailor Moon que j'ai pas encore fait, mais que je sais déjà ce que ça va être. Et ça sera un peu un truc dans le même genre. D'un côté, il y aura un dessin, une illustration un peu pleine. Et de l'autre côté, ce sera plein de petits éléments. Et du coup, pour la forêt enchantée, j'aimerais bien faire quelque chose de similaire. Mais pour vous dire la vérité, je ne sais pas trop quoi faire. Au niveau d'une des faces, il y aura plein de petits éléments. Donc ça, il y aura des petits champignons, des petits trucs, une petite fée, des petits renards, plein posés un petit peu partout. Ça, je vous avais montré le truc d'origine. Donc ça, ok. Mais alors, de l'autre côté, du coup, j'aimerais bien faire un design plein. C'est-à-dire une seule grande image, mais alors j'ai pas la moindre idée de ce que je pourrais faire. La logique voudrait que je fasse un animal, peut-être un renard pour aller avec le reste du thème de la forêt enchantée, mais est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais juste une grosse tête de renard? Est-ce que je sais pas trop. On verra, peut-être que j'aurai une idée lumineuse d'ici là, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, la priorité ça va être de faire Sailor Moon, après je ferai le tigre je pense. Je n'oublie pas que j'ai aussi prévu de faire une autre version d'un tote bag Zelda, mais on verra après. Ce qui comptait le plus, c'était de faire les badges et les stickers, parce que comme c'est pas moi qui les fais, c'est toujours un petit peu le truc qui reste comme ça. Je serai évidemment beaucoup plus soulagée quand je les aurai effectivement reçus. Mais bon, ça, va falloir que je prenne mon mal en patience, parce que je sais déjà que ces sticker app, ça prendra un petit peu de temps. Par contre, les badges et les cartes de visite, je devrais les recevoir sous à peu près une semaine. Donc ça c'est plutôt cool parce que ça veut dire que normalement je pense que dans le prochain vlog on verra ça ensemble. Je pourrais déballer les badges et je devrais recevoir les cartes de visite. Et donc vous verrez tout ça. En plus comme je ne vous ai pas trop montré les designs, vous aurez un peu la surprise. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce studio vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos opinions sur les produits. Est-ce que vous aimez les designs? Est-ce que... vous trouvez que telle ou telle idée elle est sympa, ou si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, je suis toujours preneuse. J'espère que vous allez bien, prenez bien soin de vous, et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures de ce studio vlog. D'ici là, portez-vous bien. Bye!